sausage meat. Let me kill it, bro. La fin du monde. Des fois, je me dis que c'est ce qu'il faudrait pour le sauver. Depuis un bon moment, ce genre de pensée me traverse l'esprit. Pire encore, elle m'obsède. Comme la plupart des gens vivant à Pescadero, je devrais me sentir en sécurité, mais ce n'est pas le cas. Putain, géomètre. Attention, je n'ai rien contre la profession, c'est juste que c'était pas pour moi. Je m'appelle John Cooper. Depuis la mort de mes parents, il y a un peu plus d'un an, je... Des études scientifiques prouvant que les ondes GSM émises par les cellulaires sont bel et bien dangereuses. Nous allons à présent consacrer la seconde partie de cette édition au meurtre réitéré du serial killer, dont l'identité demeure toujours inconnue. Un portrait robot de ce dernier a pu être établi par la police criminelle, selon les dires d'une de ses victimes qui fut séquestrée 13 jours durant dans la cave du psychotique. Allô ? C'est moi, John. Ça me fait plaisir de t'entendre. À moi aussi. Ça va un peu mieux, toi ? Tu parles de mon mal de dos ou de ma dépression ? À ton avis, idiot.
Je sais. J'essayais juste d'être marrant. Mais bon, j'ai encore du pain sur la planche. Sinon, non, pas trop. J'ai vomi toute la matinée. Des chapelets de boudin, ce starter. Malade comme un chien. Arrête d'être tout le temps négatif. Tu ne vois que le noir. C'est pour ça que c'est une maladie. Une maladie contagieuse, je sais. Tu ne veux pas qu'on se voit, je sais pas, même 1 ou 2 heures. On pourrait se balader. Je sais pas. Je pense pas être en état, babe. Babe, j'ai l'impression que tu m'appelles comme ça pour la première fois. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Je sais même plus. Je peux rien t'apporter de bon en ce moment. Je t'ai fait du mal. Oublions les mauvaises choses, s'il te plaît. J'y arrive pas. Je suis désolé, mais je dois m'en sortir seul. Portefeuille. J'ai mis ton portefeuille. Et vite. Oui. Calmez-vous. Mais... Vous êtes le gars de la télé? Y a quelqu'un? Thank you.
passe ici? Bien sûr, comment vous expliquer? Disons que vous devez être éliminé. J'ai peur, aidez-moi! Dites-moi ce qui s'est passé ici! Ma famille,
Il a tué toute ma famille. Et j'ai rien pu faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi la ville est déserte? Il n'est pas... Il m'a... Probablement rester. Vous me remercierez plus tard. On n'a pas de temps à perdre, il faut trouver une solution et vite. Mais qui c'est ce mec qui tue tout le monde? Ce n'est pas un homme. Mais vous foutez de moi? Pas maintenant, il faut qu'on se planque. Mais taisez-vous! Faites gaffe à ça. C'est bon. Avec un peu de chance, on la se met. Mais prenez cette arme avec vous.
Vous allez enfin me raconter ce qui se passe dans cette putain de ville. Qui c'est cet enfoiré? Et pas de salade. Vous pensez connaître les limites du possible? Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas humain. Je suis le Major Karl Redfield. Je dirigeais un projet de recherche top secret qui consistait à créer un être doté de capacités physiques et mentales extraordinaires dans le but d'assurer la défense nationale. Seulement, nous avons perdu le contrôle. Il a très vite pris conscience de sa supériorité face à nous, les humains. Aujourd'hui, son unique but est de nous exterminer et de dominer le monde. Vous êtes cinglé. Me tiens d'ici. Il n'y a pas quelqu'un de normal ici, bordel. Non, John, tu ne trouveras personne, sauf peut-être les quelques centaines de personnes à l'agonie que l'on peut trouver dehors, si tant est qu'elles soient encore en vie. Comment connaissez-vous mon nom? Je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Tu ne sais pas tout sur tes parents. Ils ont accepté de participer au projet. Nous avons fait des recherches dans le monde entier afin de trouver un couple réunissant à eux deux le meilleur patrimoine génétique. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de concevoir un enfant qui devait réunir à lui seul la richesse de ces deux génotypes réunis. Nous nous sommes juste chargés d'en extraire les éventuelles impuretés. La chose qui tue tout le monde dehors a été conçue à partir de ce génotype quasi parfait, le tien. C'est pas possible. Si, John, c'est la vérité, malheureusement. Mais je suis loin d'être parfait. Cela faisait partie de la deuxième étape de l'expérience. On a dû te rendre ce qui à la base t'appartenait, c'est-à-dire les quelques impuretés de ton patrimoine génétique. Ensuite, nous avons reçu l'ordre d'éliminer tes parents, car nous ne pouvions prendre le risque de laisser en vie des personnes au courant de cette expérience, même si nous avions passé un contrat au préalable. Vous n'êtes qu'un fils de pute! Assassin! Je vais vous tuer! Bute-moi si t'en as envie, John, mais je te garantis que ça ne t'apportera rien. Ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre de tuer tes parents, et je te jure qu'en repensant à tout ça, au fait d'avoir participé à ce putain de projet, ça me rend malade. Je t'en prie, laisse-moi t'aider. S'il a été fait à partir de mes gènes, pourquoi vous dites qu'il n'est pas humain? Ce n'est pas qu'à partir de tes gènes qu'il a été conçu. Un de nos chercheurs a trouvé par hasard en Afrique un brin d'ADN. Il s'est avéré que cet ADN n'était ni humain ni terrestre. C'est de là que nous est venue l'idée de créer la chose dehors qui veut nous tuer. Bon, je sais que ça fait beaucoup de choses à apprendre en une journée, mais il faut qu'on se repose. La nuit va bientôt tomber. Au fait, John, appelle-moi Karl. Ce n'est pas tous les jours qu'on apprend à être le résultat d'une expérience génétique. Depuis l'instant où je l'ai appris, ma vie a été bouleversée. Toutes mes croyances, toutes les choses que je considérais comme acquises, je les avais perdues. À présent, il fallait qu'on trouve un moyen pour arrêter ce massacre. Est-ce que ça va? Ouais, je crois. Un mauvais rêve? Ouais, ça fait un moment que ça dure. Raconte. Oh non, pas la peine. Allez, vas-y, je te dis. Tu m'as réveillé de toute façon. Ouais, si tu y tiens. Je sais pas exactement, c'est très flou. J'ai l'impression que ça s'est vraiment passé, qu'il y a un rapport avec mes vieux. C'est comme si j'étais une espèce de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et que je l'ai tué. Une espèce de Dr. Jekyll et Mr. Hyde? Ouais. Avec une marque sur la cuisse gauche. Il y a deux mois. Un bon et un mauvais. Tu parles de la marque que tu as sur la jambe? Quelle marque? J'ai pas de marque. Bah c'est bon, ne charrie pas.
Quoi, me charrie pas? Tu crois tout ça va sur moi, bordel? J'ai pas de putain de marque. Pourquoi? Tu sais quelque chose? Tu veux que j'enlève mon falzard pour vérifier, sale pédale? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez quelque chose? Mais tout s'explique. Oh, je viens seulement de comprendre. La chose dehors a été conçue non pas à partir de tes gènes, mais ceux de ton frère jumeau. Le mauvais toi, comme tu dis. Je vous en supplie, ne me tuez pas! Un bichou. Il faut qu'on empêche tout ça. Il faut qu'on tue ce monstre. Si tu sors dehors, il va vite te trouver et te tuer. Alors quoi, tu veux qu'on reste ici sans rien faire? Je crois vraiment que ça a marché, ces pièges de Boy Scout. On en a installé sur une surface de 100 mètres carrés. S'il veut vraiment nous avoir, il sera forcé de se prendre les pieds dedans. Thank you.